Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Mango fait du tarot pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc pour vous, Lion, Ascendant Lion, Lune en Lion, si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors un mois de mai qui s'annonce euh, chic et choc, j'ai envie de dire, puisque les transits lunaires, donc la nouvelle lune et la pleine lune, vont entrer dans les signes qui sont actuellement occupés par le nœud sud et le nœud nord. Alors, on a le nœud nord en taureau et on aura la nouvelle lune dans le signe du taureau. Donc, c'est pile la configuration qu'il nous faut pour ajuster nos intentions en fonction de la direction, le chemin de vie, nos objectifs qui se dessinent devant nous. Donc cette nouvelle lune, elle aura lieu le 30 avril à 22h28 heures de Paris. Et avec le nœud nord, eh bien, elle va nous faire travailler justement sur ce qu'on veut vraiment, puisque là, on vous dit connaît ta valeur connaît euh, tes aptitudes et le nœud nord en taureau, c'est notre aptitude à gagner de l'argent, à sécuriser la famille, le matériel, euh, notre travail, pourquoi pas, notre consommation, tout ce qui nous sécurise au niveau terrestre. Donc, grand moment. Alors 15, 16, euh, 14, 15, pardon, on a ma formation tarot, si le cœur vous en dit, je vous mets le lien sous la vidéo. Et le 16, donc on a la pleine lune dans le signe du scorpion, qui lui est occupé aussi par le nœud sud. Donc le nœud sud, c'est tout ce qui est karma, l'acquis, l'inné. Aussi nos habitudes et nos automatismes, alors la pleine lune, c'est le moment où on fait le point, où on se débarrasse de tout ce qui nous convient plus, tout ce qui fait obstacle à la réalisation de son, son, ses rêves, son intention, donc là, la pleine lune en scorpion, noeud sud en scorpion, mettre en lumière ce qui nous convient plus, ça va être la période idéale, donc le 16 mai, une date à... à à retenir, hein, parce que là, ça va être, on va dire, du nettoyage plus, plus, plus. Le scorpion, c'est celui qui transforme tout, qui brûle, qui régénère en même temps. Donc, c'est un moment à passer, mais ça va bien se passer. Alors, on a... Quelque chose qui se dessine sur votre tirage, ça partait bien. On a un, un couple, un projet, ça peut être voilà. Mais on voit qu'il y a une petite vague, on va dire, qui vous dépose sur la plage alors que vous pensiez surfer. Mais c'est un cycle à passer. Pourquoi Parce que on a la lune vide de course, et on a ravivé la passion. Et la passion, chez vous, ça va être la créativité, ça va être l'estime de vous-même. Donc, il euh, y a déjà un bon conseil des cartes raviver la passion, c'est revenir à vous-même. D'accord Donc, ça peut être un couple intérieur, hein, la partie yin, la partie yang on verra ça après. Donc, cette carte, elle nous dit. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est que, n'est pas le reflet de vos rêves Ce feu a besoin de combustible, il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités, le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous Sur quoi avez-vous tiré un trait Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol Et pour l'affirmation, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors, il est certain qu'avec cette carte, il y a des moments où ce n'est pas le moment. Et là, on vous dit, il y a eu. Alors la lune vide de course, pour vous expliquer vite fait, ça, 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 ça arrive tout, le, fin, quasiment tous les jours, tous les deux jours. Voilà, c'est là où il n'y a aucun, euh, on va dire aucune accroche. Vous savez, c'est comme ces moments où on se dit bah il se passe rien ou euh, vous regardez fixement dans le vide, euh, voilà et vous pensez à rien. C'est un de ces moments-là. Alors là, pour le mois de mai, on vous dit que. Quand on a quelque chose euh, de l'ordre de la, la lune vide de course, alors oubliez le manque, hein, c'est pas ça, c'est juste pour moi une occasion loupée, soit qui a été loupée, soit euh, alors ça peut être une occasion, on a du taureau, on a du vierge scorpion, on a du poisson, on est plutôt dans des énergies féminines, donc c'est vraiment à l'intérieur de soi où il y a un petit creux, enfin, voilà, façon de parler, hein, si vous avez faim, voilà, vous, vous pouvez manger, mais là c'est vraiment. L'idée d'avoir raté quelque chose ou de ne pas avoir été assez attentif. Et j'ai l'impression que c'est comme tout partait bien, mais la situation a échappé à un moment donné. Et on va essayer de rattraper ça. Sauf que la lune vide de course nous dit alors, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, ça ne s'est pas passé de la manière prévue, mais il vaut mieux laisser faire. Et d'ailleurs, vous l'avez ici on a l'équivalent de l'ermite on a euh, Saturne ici hein, qui nous dit, euh, voilà, il y a des choses à plutôt apprendre, à consolider alors on a eu aussi l'idée d'Arcane sans nom avec sa, cette carte et on a le 4 d'épée et c'est vraiment ça, c'est à dire ok, je mets le mental en pause je vais revoir un peu ma copie et ensuite ça repart, et ça repart bien vous avez le 10 de coupe, vous avez la reine de bâton, le 3 de bâton donc il y a un succès assuré, mais effectivement il y a ce petit passage à vide alors soit c'est arrivé au mois d'avril. Euh, au moment où je tourne la vidéo, on est le 20 avril, mais j'ai demandé pour le mois de mai. Donc c'est la conséquence du mois d'avril ou d'un événement qui vient récemment de se passer qui explique ce petit passage à vide. Alors un passage à vide, ça permet aussi de se recharger ou d'apprendre, de comprendre de la situation. Et pour moi, c'est très clair. Il y a eu une situation fusionnelle qui est devenue... Hors de contrôle. Voilà, une dispute, un mot de trop, euh, euh, un conflit intérieur, un événement qui a suscité peut-être des questionnements. Alors, 5 d'épée, ça peut être une frustration interne, ça peut être l'autre qui frustre. Mais là, on voit bien qu'il y a un couple. On voit bien qu'il y a. En tout cas une... ça peut être vous-même avec vous-même, mais ça peut être aussi voilà un projet qui ne donne pas les fruits escomptés et peut-être la nécessité de revoir sa copie pour recharger les batteries. Là on a votre cousin Bélier qui vient à la rescousse et on a le 10 de coupe. Mais il y a effectivement un événement, qui vient vous challenger pour vous appreniez quelque chose qui va vous aider pour la suite. Donc il faut ça pour qu'il se passe ça. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, on a quand même le 10 de coupe, hein, avec le 10 de coupe et la reine de bâton. Euh, voilà, court terme, long terme, on est vraiment dans quelque chose, un apprentissage. Il a fallu ça pour apprendre ça et pour le comprendre et pour avancer, pour être différent et pour changer définitivement. Donc on vous dit. Attendez que ça passe. Voilà, c'est vraiment ça. Il n'y a peut-être pas, peut pas d'orage. Bon, quoi qu'avec le 5 d'épée, je vais peut-être l'interroger pour comprendre euh, vraiment, pour pointer euh, justement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on vous dit, c'est le moment de faire preuve de patience et de laisser la situation se décanter avant de prendre un nouveau départ. On est pile là-dedans. C'est-à-dire, là, ça se passe bien, là, ça ne se passe pas bien. Donc là, on a le contexte et on a vraiment le voilà ce qui se produit. Et puis ça vous permet euh, de comment dire de laisser reposer. Et c'est ce que vous devez faire et ce qui va vous aider. Mais en même temps, vous le sentez. Hein, je pense que vous le sentez. Vous, vous dites bon bah là euh, voilà, je peux plus rien faire. Donc je vais euh, méditer avec le cadre d'épée. Il euh, y a vraiment ce côté. Euh, il euh, n'y a pas d'accroche, voilà. En face, il n'y a pas d'accroche. S'il y a une dispute, l'autre personne ne réagit même pas et vous vous dites, bon, bah, écoute, si c'est comme ça, euh, voilà, on va laisser attendre, euh, on va décanter la situation. Ça va se décanter euh, de soi-même. Hein. Quand on a un 10 de coupe à court terme, alors qu'on a eu un 5 d'épée, c'est qu'il a fallu que ça se produise pour peut-être aussi euh, prendre conscience de sentiments. Pourquoi pas voilà, un, une séparation temporaire, ça permet aussi de remettre les idées à leur place. Euh, moi, j'ai l'idée que, <coughs> pardon, la fusion a pu être toxique. Et en même temps, regardez, on a taureau, on a scorpion, on a les nœuds sud, nœud, nœud, fin, nœud nord, nœuds sud. Euh, c'est euh, logique. Voilà, j'allais dire, c'est pas étonnant. Non, c'est logique. Alors, on vous dit que il y a des bourdes qui ont été faites, mais elles ne sont pas si graves que ça en a l'air. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est voilà, c'est reprendre du poil de la bête, sans mauvais jeu de mots avec le signe du lion, hein, bien sûr. Mais là, il y a quand même cette idée de j'ai mal fait, je m'y suis mal pris. On a Mercure et, et Pluton. Alors, Pluton est dans le signe du Capricorne. Là, il y a l'idée de se flageller, il y a l'idée de s'en vouloir. On a l'idée du 3DP, là, hein, ça se voit. Et une personne qui s'auto-flagelle. Alors, on vous dit, ça ne sert à rien. Vous êtes pleinement incarné avec bah, des failles, des bourdes, c'est normal. Mais il faut reprendre votre pouvoir aussi. Parce que là, si on a la reine de bâton à long terme, c'est que de toute façon, vous allez le faire. Alors, on vous dit que vous pouvez quand même utiliser. Cette situation, c'est ça que je trouve le plus fascinant. Cette situation peut être utilisée à votre avantage. Voilà. Par exemple, on peut travailler sur quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment faire. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a peut-être des livres à Enfin, li des livres à lire. Euh, si, par exemple, vous aviez un je ne sais pas euh, les cinq blessures d'âme de Lix-Bourbeau que vous mettiez de côté parce que vous vous êtes arrêté aux trois premières pages. Moi, j'ai mis cinq ans à m'y remettre, hein, je vous le dis. Donc voilà, j'ai lu les trois premières pages, ça m'a suffi. J'ai fait OK, bon, il y a tout qui remonte. Euh, OK, je me prends ça en pleine poire, je n'étais pas prête. Et finalement. Je m'y suis mise parce qu'il a fallu qu'il se passe quelque chose pour me dire « Oups, 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 euh, là, là, il va falloir que, que quand même je conscientise certaines choses. » Donc je m'y suis mise et après je suis allée plus en profondeur. Mais il y a vraiment l'idée qu'il faut qu'il se passe ça, peut-être avec le 5 d'épée, on verra, mais je pense déjà à des livres, donc je vous en parle, mais avec le 5 d'épée, ça peut être de la communication euh, efficace. Comment répondre à nos détracteurs euh, Voilà, ça peut être au boulot, euh, c'est-à-dire on prend tout à cœur, on se prend tout en pleine poire, et puis euh, il suffit d'une petite remarque pour qu'on parte au quart de tour. Et bien là, on va euh, lire, par exemple, un livre sur l'intelligence émotionnelle. voyez, donc cette situation, même si ça paraît... Euh, comme un peu suspendu, hein, c'est associé au 8 de coupe, donc c'est ok, ça ne donnera rien, il vaut mieux que je m'occupe à autre chose euh, le temps que ça se tasse, voyez Donc c'est même pas de la patience, c'est plutôt je m'occupe à autre chose, j'accepte la situation parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Et on vous dit aussi que tout ce qui va fonctionner, c'est... Euh, aussi, de réfléchir avant de parler, hein, cas dp on fait rien, on pense à rien, on ne dit rien, voilà, c'est vraiment du repos, et du repos pour que ça reparte de plus belle, parce que peut-être que dans l'état dans lequel c'était, si par exemple c'est un début de relation, il y avait déjà des conflits, il y avait euh, des choses qui ne fonctionnaient pas, pause, stop, pousse, voilà, comme ça... Euh, on peut revoir sa copie et on repart de plus belle, vous voyez Parce que le 10 de coupe avec cette carte, ça peut très bien parler aussi d'un regain de motivation. Allez, euh, ok, maintenant je sais comment faire et là, ça va bien se passer. Il n'y a pas... Euh, on va étudier cette carte, hein, parce que là, il n'y a pas à s'en vouloir, surtout si on a la reine de bâton. Donc, on vous dit, voilà, tout ce qui est imprévu et spontané aura tendance à peut-être devoir être mis de côté, puisque ce n'est peut-être pas le bon moment. Ou au contraire... Il peut y avoir aussi euh, l'idée que vous mettiez quelque chose de côté et que vous avez perdu le sens voilà, que, de ce que vous faisiez dans un projet. Euh, vous vous demandez pourquoi, euh, en fait, vous le faites. Euh, voyez, Donc c'est une période de remise en question, pas remise en cause là. Euh, ça c'est très important, c'est-à-dire garder la foi en même en, en des, des, des choses qui pourraient paraître comme des conneries, voyez, mais là il y a vraiment l'idée de, ok, frustration, retard, euh, annulation euh, pour cause de je ne sais quoi, vous vous dites, non mais c'est pas possible, quoi, qu'est-ce qui se passe Et il y a aussi un sentiment de vide, sensation que tout est irréel ou que rien ne prend, rien ne fonctionne, euh, l'idée de ne pas faire attention, de rester l'esprit endormi. Euh, les erreurs de calcul, prendre de mauvaises décisions, une période où il vaut mieux attendre avant de tout reprendre à zéro, un moment de flottement ou de repos, donc là on le voit avec le 4 d'épée, c'est ce qui va vous aider, des événements fortuits, un moment pour se déconnecter aussi, voilà, peut-être qu'on vous en demande trop. Vous voyez, cette carte, on voit la fusion, ils sont tournés l'un vers l'autre. Alors c'est l'amour, oui, euh, mais c'est aussi, ça peut devenir toxique quand on, on met de côté ses passions. Vous voyez, donc cette carte, enfin en tout cas, moi ce mois de mai, je le trouve très agréable. Oui, je le dis. Pourquoi Parce qu'on a cet ange qui fait penser à tempérance. Alors là, on a Neptune et on a Poisson. Donc, c'est plutôt un moment de compassion, c'est-à-dire il va falloir reprendre votre pouvoir en étant, enfin, en étant dans la compassion avec vous-même ou avec l'autre personne, s'il y a une autre personne dont il est question. Mais c'est un mois où vous réajustez aussi des choses. Enfin, j'ai envie de dire tout le monde réajuste des choses sous le temps, mais là, ça va être nœud nord, nœud sud, donc obligé. Euh, on a vraiment l'idée d'un d'une mauvaise interprétation avec ce 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression que c'est oups. Voilà, l'une vide de course, c'est oups, mince. Euh, alors, ça peut être louper une occasion de se taire et ne pas savoir trop comment revenir. Donc, plutôt que d'agir tout de suite, spontanément, vous allez plutôt vous dire, OK, je vais adopter un moment de, de silence. Là, on a la maison 8, donc la maison du scorpion. Et on a la maison 10, la maison de la carrière, de la famille, du travail. Alors peut-être que. Alors si c'est au niveau de la famille du travail, il y a des réajustements. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de votre entourage. Euh, on a ici le cancer, le taureau, donc c'est aussi la famille, hein, voilà. Là on a. Euh... ou les petits fantômes du passé. Ok. Donc, il y a une image de vous-même, mais il y a aussi une image idéale. Et vous voulez recoller, euh, voilà, dans la réalité. Hein, avec le Capricorne, on est très concret. Et, enfin, la Maison 10, hein, on est très concret. Voilà ce que je veux, quelle est mon ambition. Et donc, vous faites des nettoyages en conséquence. Alors, la Maison 8, elle nous parle de mystère. Et la Maison 8, elle nous parle aussi de renaissance, euh, de tout ce qui est aussi l'ombre de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez faire face... Euh, j'ai envie de dire à l'autre personne qui peut-être vous balance des trucs et vous dites ok moi je range enfin, je range mon ma langue là euh, voilà je me tais parce que je sais que c'est qu'un passage je sais que c'est un moment à passer euh, parce qu'on a aussi l'idée d'expérimenter de aussi avec l'autre hein, la maison 8 c'est euh, l'ombre de l'autre et découvre aussi sa puissance parce que on vous confronte avec un 5 d'épée, vous êtes dans la confrontation. Et on a un as de denier, on vous parle quand même d'une opportunité. Donc, une opportunité de quoi Regardez, Oh là, pardon. Euh, la route fortune, je dis pardon à mes cartes, hein, d'accord, parce que je. Voilà. Euh, la route fortune, c'est un changement. Derrière, on a le roi de denier, concrétisation, installation, voilà, euh, stabilisation. Donc, il y a un enjeu. Il a fallu qu'il se passe ça. Donc, ce 5 d'épée, ça peut être une dispute, ça peut être un conflit intérieur. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est une personne qui vous challenge. C'est un lien très fort, mais qui. Alors, la personne n'est pas toxique. Si on parle d'une personne, elle n'est pas toxique. Elle, elle est confrontée à ces zones d'ombre parce que ce n'est pas toujours une question de travail sur soi. Des fois, c'est nous qui faisons travailler les autres. Et euh, on a l'idée de transformation euh, de, de voilà qui j'ai en face de moi. Et la personne, peut-être que bah, elle aussi, hein, elle est dans une. Euh, dans, dans, <laughs> elle est aussi soumise à la pleine lune en scorpion, avec le nœud sud en scorpion. Ça se trouve, à la, sa maison, 8 en scorpion. Et là. Oh et plutôt en scorpion comme moi, donc imaginons, voilà, et donc elle est euh, soumise à un forte, euh, une forte tension, un stress, et puis ses mots vont parler trop vite, ou... Bon, on est chez vous, donc on se concentre sur vous, et j'ai l'impression que voilà, c'est un rapport de force. Il y a peut-être euh, voilà, on se regarde, on s'aime mais ça peut être un rapport de force. Si c'est un projet professionnel, il se peut que ça n'avance pas aussi vite que prévu et que vous puissiez vous demander attends, est-ce que c'est vraiment fait pour moi Il y a peut-être un doute, un moment de flottement, où vous vous dites mais ça se trouve mais euh, je fais fausse route. Ça se trouve mais je me plante carrément et là on vous dit bah non. Et en plus de ça, euh, cette période, elle va vous permettre, puisque ce n'est pas le bon moment pour initier, pour repartir à zéro, c'est en fait pour réajuster. Là, on a vraiment l'idée de l'ermite, ce, l'érudit, celui qui apprend. Euh, on a le crâne, on a... Euh, le sablier, le temps. Donc vous pouvez occuper ce temps suspendu, un hein, 4 d'épée, cette carte, c'est vraiment un temps suspendu pour méditer, alors pour euh, peut-être demander une consultation, je ne sais pas, on a l'impression que cette, pe ce, cette personne, elle a plein de savoir et elle a même accès au royaume des cieux. Hein. On le voit, il y a une porte derrière elle, il y a un arc-en-ciel. Donc c'est peut-être un moment pour apprendre. Aussi, voilà, quelle est ma mission de vie Si c'est un projet, vous êtes en plein dedans là. Et euh, et surtout, le faire recoller à du concret avec la maison 10, maison 8, maison 10, je transforme, je brûle, je renais pour coller à quelque chose de euh, de long et de, de durable. Euh, avec cette carte, c'est paisible quand même, c'est tranquille. Donc, même s'il y a des turbulences avec ce 5 d'épée... Euh, c'est comme si on vous disait, ce qui va t'aider, c'est de te dire, dors sur tes deux oreilles, pardon. Euh, là, on a quand même l'idée que oui, ça va s'inscrire dans le temps. Donc, ça peut être un projet qui nécessite encore quelques ajustements, ou alors une relation qui peut durer sur le long terme, à condition que bah, les conditions soient remplies. Vous voyez ce que je veux dire euh, À condition que vous ne mettiez pas votre passion de côté, alors votre passion pour euh, je sais pas, la peinture, la lecture, euh, le cinéma, les sorties, les balades, le vélo, le sport que sais-je, le yoga, pourquoi pas? Parce que là en fait, quand on est tourné vers l'autre, si l'autre se détourne, on va le vivre comme un sacrilège quoi, comme, un, comme une trahison et ça devient c'est là qu'on en voit des pics. Ouais, mais t'avais dit que tu me répondrais, tu m'as pas répondu. Oui, bah je suis là là, euh, qu qu'est-ce que je fasse de plus Vous voyez, je sens ce type d'embrouille parce qu'on est trop tourné vers l'autre. Alors oui, c'est l'amour, ça peut être le début hein, c'est florissant, mais ça peut virer au pas au cauchemar non plus, faut pas déconner mais <laughs> c'est plutôt euh, je, je mets de côté mes passions à moi. Vous voyez, quand on est trop euh, fusionnel, euh, tout devient, on tourne tous vers l'autre. Imaginez, vous vous habillez pareil, hein, force enfin, vous fréquentez, alors qu'avant, vous aviez votre, votre propre style. Euh, ça existe, j'ai déjà vu. Et je me suis dit, bon, euh, l'absorbe beaucoup. Enfin, c'était vraiment... Euh, voilà, c'était comique à voir de l'extérieur, mais en fait, euh, après, on le vit mal de l'intérieur. D'ailleurs, ça implosait. Donc, vous euh, voyez, et c'est vraiment garder son individualité. Là, on a la carte du bélier par excellence. C'est garder son identité, euh, son individualité, tout en fusionnant avec l'autre. Vous voyez, donc il y a cette idée que une fois qu'on a retrouvé cet aspect-là, parce que là, je fais référence à la maison 1, euh, la maison du bélier. La maison du bélier, c'est vraiment euh, l'affirmation de soi, l'image de soi, la naissance de soi-même. Euh, c'est vraiment, j'expérimente je, mon identité, je, je, je voilà qui je suis. Et là, on a le bonheur total. Là, on a vraiment l'idée que le cycle change. Alors, un mini cycle, hein, bien sûr. Là, on n'est pas dans les grands cycles, quoique. Ça peut parce que sur le long terme, c'est justement l'information qu'il vous fallait. Comment euh, fusionner avec l'autre tout en gardant mon individualité. Voilà parce que ça peut être des fois, euh, on ne s'en rend pas compte, mais on se dit, mais euh, euh, voilà, il suffit d'une dispute pour que ça éclate et qu'on voit plus, euh, qu'on qu enfin, qu voit plus. De solutions jusqu'à ce qu'on se dise, mais en fait, si, il y a une solution. Ce que j'ai pas compris, c'est que j'avais tout mis de côté et que là, je reprends mes activités, je reprends ce que j'aime faire tout en aimant la personne. Donc, oui, c'est possible. Et là, s'il y a eu dispute, il y a réconciliation. Avec 5 d'épées et 10 de coupe, 5 d'épées dans la situation actuelle ou passée et 10 de coupe dans le court terme, pour moi, il y a réconciliation. On verra dans le sentimental ou en guidance privée, bien sûr, mais là, c'est quand même quelque chose euh, de capital qui se passe. Par un petit événement, euh, alors, ça peut être un, une grosse dispute, mais ça reste aux yeux, euh, on va dire, de, de, de ce qu'on vous donne comme apprentissage, un petit événement. Voilà, c'est une piqûre de rappel. Voilà, c'est vraiment ça, la piqûre de rappel. Euh, plus tu t'oublies, plus tu te décentres, plus tu es centré sur l'autre, plus l'autre le ressent comme un poids de responsabilité. Euh, voilà, on ne veut pas prendre cette responsabilité. Euh, ni vous, ni les autres, ni moi, ni. Donc voilà. Et là, c'est cette carte qui m'intéresse le plus et que j'ai envie de comprendre parce que pourquoi, sur le long terme, vous, vous seriez en, en, en reine de bâton et en même temps en culpabilité voilà, est-ce que c'est quelque chose... Euh, « Tiens, j'avais pas vu ça comme ça et toute ma vie, en fait, je l'ai tourné en fonction de choses que, en fait, je voulais pas être, je ne sais pas. » Mais ce qu'on va garder, c'est qu'il y a la reine de bâton, et ça, c'est vous. C'est le charisme, euh, l'individualité, l'affirmation de soi, le l'aura le, au maximum, euh, savoir agir euh, de manière pertinente, de manière percutante, de manière euh, convaincante, et... Peut-être que c'est l'expérience du passé qui a besoin d'être digérée, qui a besoin d'être acceptée. Voilà, au lieu de se dire bon bah je ferai plus jamais comme ça. Euh, voilà, j'ai compris mais à quel prix Vous allez plutôt vous dire ben bah, il fallait ça pour que je change de peau. Là on est dans le Scorpion, on est aussi dans le signe de la Vierge. Donc le travail utile, le bien-être aux autres, euh, tout ce qui va être aussi euh, domestique ou l'organisation et oui, il y a eu, il a fallu ça pour que vous appreniez, pour que vous compreniez, donc comprendre, intégrer, mais euh, il faut aussi, enfin, comment dire, pas accepter, mais euh, voilà, se dire c'est fait, c'est fait. Voilà, et maintenant je suis euh, comme ça, bah, très bien. quoi. Vraiment, il euh, y a l'impression que vous ne serez pas totalement satisfait, là au mois de mai, hein, je parle au mois de mai, mais totalement satisfait euh, de ce que ça vous a permis de devenir, alors que c'est très bien. Et d'ailleurs, le 3 de bâton le, le confirme. Là, on a un apaisement, on a une amélioration. Je vous parlais de compassion, de bienveillance. On a vraiment la compréhension de l'autre, la compréhension de soi. Et avec le 3 de bâton, on passe à l'action et ça porte ses fruits tout de suite. Il y a l'idée de réussite. Euh, Je vais interroger quand même le 5 d'épée et cette carte-là qui m'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme explication, s'il vous plaît, sur le 5 d'épée pour le mois de mai des lions, le battleur C'est vraiment minime. Là, on a une grosse carte, hein. on a un nouveau départ. Euh, mais il a fallu ça pour que... Euh, vous recommenciez, mais différemment. Voilà. Le, ici, qu'est-ce qu'on a Allez, pour les lions, mois de mai, la lune. Alors, c'est dans le passé. Il hein, y a deux dp, c'est dans le passé, il y a une information qui vous manque. Et en fait, non, elle remonte, l'information, elle remonte à votre conscience, elle remonte des profondeurs. Je la vois remonter avec le 2 dp. C'était l'information qui vous manquait pour pouvoir passer à l'action. C'est pour ça qu'on a la reine de bâton. Mais il y a peut-être euh, l'idée de se dire ⁇ Mon Dieu, mais je le savais. J'en ai rêvé. Ou euh, ça revenait régulièrement. ⁇ mais je n'avais pas fait le lien. Donc, on est humain, il hein, n'y a pas... Euh, voilà On sera là-haut, euh, je sais pas où on sera, mais euh, si on sera euh, guide ou rien du tout, ou, voilà, ou être de la cave, j'en sais rien, non, je plaisante. Mais du coup, euh, l'idée, c'est que dans l'incarnation humaine, on, on, on doit faire des bêtises. C'est marqué dans les annales akashiques, hein, dans les archives, dans notre bibliothèque personnelle. Voilà, et ça permet d'ajuster, parce que forcément... Euh, L'erreur permet l'apprentissage et l'arrêt sur soi en regardant cette erreur on, on permet de dire en fait, c'est une information qu'on me donne donc. Merci pour ça, hein. gratitude, euh, le sentiment de gratitude on va le ressentir au plus profond de soi et se dire ça me permet de comprendre et de faire différemment, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on change. Donc c'est une évolution permanente, hein. des fois on a l'impression de tourner en rond, en fait ça nous permet de revoir les choses différemment une information qui a besoin de remonter, euh, pleine lune scorpion, je pense que ça va être à ce moment-là. Bon, ça peut être maintenant, ça peut être après, ça peut être euh, bien avant, mais vous allez faire un pont de connexion comme un... Ah mais oui, mais oui, mais oui. Bon, là, il y a l'idée quand même d'un de, 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 couple, euh, du, de quelque chose qui vous ressemble, ça peut être un projet aussi euh, qui est fait pour vous, mais dans la situation actuelle, avec une information qui... Vous êtes tergiversé, hein, regardez derrière, on a de nouveau le 4 d'épée. Il y, y a besoin d'apprendre, il y, beso y a besoin de retourner ouais, avec le valet d'épée. Il y a peut-être trop, trop d'agitation. Et comme l'information vous manque, vous ne savez pas où aller. Et avec le 5 de denier... On a vraiment cette notion que c'est dans l'âme, il y a un vague à l'âme, euh, il y a quelque chose qui n'a pas été nettoyé dans les vies antérieures, voilà, c'est... Vous faites bosser la personne, elle vous fait bosser, mais c'est aussi, vous mettez de côté votre mission de vie, votre programme d'incarnation dans cette vie-ci, parce que vous êtes trop tourné dans la dévotion, dans la compassion, mais euh, qui confine au sacrifice, vous voyez ce que je veux dire Bon. Euh, mais c'est un joli mois de mai parce que vous allez voir que ça va, ça va s'améliorer, mais considérablement. Voilà, il y a juste une période de creux comme ça. Donc, vous me direz en commentaire. Alors, hop là, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, voyez, il y a l'idée de plus être dans le don de soi sans recevoir, mais plutôt, ok, parce que c'est peut-être ça qui provoque des crises en vous, hein, c'est peut-être, il euh, n'y a peut-être pas de dispute, mais des fois on se dit, non mais cette relation ça se trouve, euh, elle est toxique, non, ça, en fait c'est ce qu'on en fait qui devient toxique, c'est le quotidien, les habitudes, Neunor en taureau, Nouvelle-Lune en taureau, on vous dit de rester optimiste pour votre vie, alors, amoureuse, mais j'ai envie de dire aussi projet, parce que là, on est dans une guidance générale, mais j'avais envie de prendre cet oracle ce mois-ci. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ou le succès dans le travail ou dans vos projets, quels qu'ils soient. Allez, on va prendre un petit message des guides avant de se quitter. De toute façon, on va se retrouver toutes les semaines, hein. donc on aura le temps de d'updater tout ça, de mettre, de mettre à jour un peu les informations. Euh, on va dire c'est ce que vous enseigne le mois de mai, d'accord Après semaine après semaine on verra ce qui se passe. Roi de deniers, une ère de réussite. aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. On vous dit d'être pragmatique dans cette situation, d'accord Il y a effectivement des choses qui vont ressortir, qui font peut-être pas plaisir, mais ça permet de comprendre et de faire différemment désormais, regardez, je vous ai dit, cette carte pour du long terme, c'est excellent. Et là, vous avez le pape. Donc, on vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Euh, alors, le pape, c'est une excellente carte pour la longévité du couple, pour les projets aussi. Il y a l'idée d'une bénédiction. Donc vous êtes protégé, mais effectivement, vous devez en passer par là. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la famille. Hein. Là, on voit euh, une personne qui va se marier et dans le miroir, est-ce que c'est la mère la sœur, la cousine, je ne sais pas, mais il y a une occasion. Voilà, c'est cette carte qui me parle le plus d'aller déterrer l'information qui vous empêche de, comme si vous étiez hanté un peu par euh, voilà quelque chose sans même savoir quoi. Donc on vous dit aller chercher l'information, ça vous permettra d'être vous-même et de plus avoir un regard euh, euh, idéaliste ou irréaliste ou biaisé de, de qui vous êtes ou qui vous auriez pu être ou votre mère ou votre soeur ou je ne sais quoi mais vraiment vous-même ok bon on va se retrouver très très vite voilà donc il y aura la, le dernier quartier de lune puis la nouvelle lune puis les tirages de semaine je me suis inscrite à tiktok aussi voilà, il y a la formation tarot, si vous voulez, voilà, commencer à vous lancer dans le tirage des cartes, l'interprétation, les méthodes, etc. Et puis, euh, bah, on se suit euh, sur Instagram, hein, on se retrouve, et puis on va voir un peu tout euh, au fur et à mesure aussi. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao